Salut à tous. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon salut, j'espère que ça va. C'est notre deuxième jour, toujours pas de soleil. Mais voilà, alors hier on a passé une très bonne journée. C'est un peu compliqué entre les vlogs, les stories, le vouloir en profiter aussi avec la petite et tout. Donc bon, je sais pas encore ce que le vlog d'hier va rendre. Mais nous on en a bien profité, on a passé une très bonne journée. Et on est rentré assez tôt à l'hôtel et puis voilà. Là aujourd'hui le vlog ce sera essentiellement sur Walt Disney Studio. On mange au bistrot chez Rémi à midi, donc je vous le montrerai aussi parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et ben voilà, on va profiter des quelques attractions qu'il y a. Et là juste devant il y a Dingo en habit de cinéaste un peu. Donc on va voir parce que Victoria adore Dingo. Elle nous a fait acheter la peluche de Dingo. Et elle fait que parler de Dingo, Dingo, Dingo. Donc elle en a un peu peur mais elle y retourne quand même. Donc on va aller voir Dingo. Et puis moi j'ai jamais fait de photo avec ce Dingo là. Donc je suis contente de le faire aussi. Allez. Et bonjour. Petit point météo. Bien pourri, hein, voilà. On était ravis hier, on s'était dit oui ça va se lever. Et voilà, et là aujourd'hui il fait pourri, voilà. Il pleut pas, donc je me plains pas trop, mais un peu parce que je suis dégoûtée d'avoir regardé la météo qui me dit qu'il allait faire super beau et qu'en fait il fait dégueulasse. Voilà, donc c'est gris toute la journée. Là il fait zéro. Voilà, hein, encore une fois, on n'aura pas le soleil aujourd'hui. J'espère que demain ça ira mieux, mais j'y crois pas du tout même. Voilà, allez. C'est impressionnant en vrai. Oui. Bonjour. Elle a pas la photo? Ah. Allez. Et oui. Ah si quand même, un peu. Allez, viens, on va se prendre la photo. Viens. Il est gentil, Dingo. Viens, on va prendre la photo. Tu viens avec papa? Non, on a pas les photos. Elle va prendre la photo. Bonjour Dingo, ça va? T'es trop beau habillé comme ça, hein? Ah oui. Ah ouais. Ouais, ça marche. Bon, toujours impressionnant, hein, Dingo. Mais on a fait la photo. Je pense qu'elle sera jolie. En plus, il y avait le photopass, donc il est à l'entrée, juste à l'entrée du studio, hein. Et ben voilà, c'est des super moments, ça. C'est vraiment des super moments. Donc là on va direction Ratatouille, hein, parce que c'est l'attraction où il y aura le plus de monde aujourd'hui. Et ben, y a Mickey. Il y a Mickey qui nous salue à l'entrée du parc. Donc on va voir Mickey. Bon, on vient de rencontrer des abonnés qui viennent de Carcassonne. Si vous nous voyez, je sais que vous avez regardé le vlog, on vous embrasse. Et je voulais dire que on avait peur de venir avec Victoria, on avait peur de la montrer un peu et on avait peur que certaines personnes veulent la prendre en photo ou voilà, parce que nous on la préserve un maximum. Bon, elle est là, mais vous la voyez pas très bien. Mais merci à tous ceux qu'on a rencontrés, qui respectent, qui sont toujours très gentils, très bienveillants et franchement c'est vous êtes super. Voilà, merci de respecter moi, ça. J'aime bien, moi j'aime beaucoup même. Voilà. Même que quand. Non, ce matin je te connais. Ah, même que quand? Même que quand. Avant de monter, à chaque fois je demande à Nico est-ce qu'on a eu des messages, est-ce qu'on va avoir des copains. Voilà, moi j'aime beaucoup savoir si il y a des gens qui vont venir avec des abonnés qui sont sur le parc.
Et j'aime toujours vous voir, je trouve ça. Oui, voilà. Donc la dernière fois, je le redis parce que ça m'a fait chier un peu, mais quand j'avais reçu un message comme quoi j'étais pas proche de mes abonnés, ben c'est pas vrai parce qu'on adore vous rencontrer. Et j'ai reçu un message encore hier comme quoi quelqu'un m'a vu, ils n'ont pas voulu me déranger. C'est très gentil, mais venez, venez, nous on adore. Tournez au fait. Voilà. Bon, on va à Ratatouille. Bon, petit arrêt imprévu en passant devant Crush Coaster qui est fermé d'ailleurs. Eh bien, il y a Buzz. Donc c'est on va. La musique, elle est forte. La musique est très très forte. Ah, bon. Donc on va faire la photo avec Buzz. Je ne sais pas s'il y a le photopass. Non, il n'y a pas le photopass. Mais voilà, Victoria aime bien Buzz, donc on va faire la photo avec Buzz. Mais là, il s'en va. Alors peut-être que ça va tourner, qu'on aura Woody ou un autre personnage. Mais en tout cas, on va faire une photo avec un personnage. Ça, c'est sûr. Bon, ben voilà. Buzz est arrivé, mais il y a aussi Jessie qui est arrivée. Donc on n'aura pas un, mais deux personnages. Ce qui fera déjà trois personnages aujourd'hui. Voilà, faute d'attraction, on fait des personnages aujourd'hui. Allez. On va voir les personnages de Toy Story. Bon, elle n'a pas eu peur de Buzz. Buzz est moins impressionnant que Jessie. Buzz est moins impressionnant que Dingo. Elle va voir Jessie là. Bien. Très bien, merci. Super. Je peux aller cela? Bon, l'interaction personnage-enfant, c'est juste exceptionnel, quoi. Ils se rendent pas compte, mais c'est juste exceptionnel. Allez, on part. Ratatouille. On va faire un peu de queue, mais je pense que ce sera la seule file d'attente qu'on va faire ici, du moins au studio. Et en ce moment, il y a les chalets gourmands, l'hiver gourmand. Pardon. Oh, je suppose qu'il y a comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un parmentier de canard, velouté de butternut et des petits sandwichs au saumon. Là, vous avez le reblochon cheese tartiflette et le sandwich à la raclette. Voilà, bon, on a comme chaque année, mais c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien. Et nous voilà sur la place de Rémy. C'est un des plus beaux endroits pour l'instant ici au parc Walt Disney Studios. Et, ah ouais, il y a, non, il y a la queue juste à l'intérieur, il y a marqué 15 minutes, mais à mon avis, il y a beaucoup moins. Allez, on gare la poussette et on va faire Ratatouille. Chose improbable, les amis. On faisait la queue un peu dehors, on était juste au niveau de l'entrée. Et là, ils ont ouvert les deux grilles et ils ont fait passer toutes les personnes qui avaient dehors, dont nous, par la file fast-pass. La file premier access. On n'a pas payé. Et du coup, ben, on va attendre moins que si on avait fait la file normale. Vu que la file est moins courte. Vu que la file est moins longue par là. Bizarre, hein? Bizarre, hein? On a de la chance. Ouais. 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 Alors, ben, même pas 10 minutes d'attente, hein, du coup. Ça a été très rapide. Hein. Ah oui, va chercher la poussette, oui, je l'avais oublié. Ne pas oublier les poussettes. Ouh, j'ai changé de masque aujourd'hui, là, fait de marque. Mais ils sont pas terribles, ceux-là. Bref, vous vous en foutez. Bon, la petite, elle a
Elle a aimé, bon, je pense que ça me fout complet. Elle a pas voulu mettre des lunettes. Hein. Et donc, du coup, elle a dû voir tout flou. Je pense que ça n'a pas un grand intérêt pour elle à son âge. Hein. Mais bon, nous au moins on l'a fait. Elle, ça lui a fait voir quelque chose. Elle n'a pas détesté, elle n'a pas eu peur, mais sans grand intérêt. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est Cars Road Trip. Allez, c'est parti! Bon, il n'y a personne à Cars Road Trip. On est obligé de porter Victoria parce qu'elle avance pas assez vite. Hein. Et là, je pense que le temps qu'on marche, on va embarquer soit dans ce tram s'il nous attend. Ben, il est à moitié rempli. Hein. Soit on prendra le prochain qui viendra, mais il n'y a vraiment pas grand monde. C'est pas une attraction exceptionnelle, on le sait, mais moi j'aime bien la faire. Et puis Victoria, elle va peut-être aimer. Hein, donc voilà. Allez, on va faire Cars, road trip. Bon, on sort de Cars Road Trip. J'ai eu un problème de batterie. Ma batterie est chargée, mais elle ne veut plus fonctionner. Alors, je ne sais pas si c'est qu'elle a eu froid. Bon, j'en ai eu une autre de rechange, donc normalement ça devrait aller. J'espère que celle-là tiendra. Sûrement le froid quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est le froid. Hein, oui, mais il pleut pas, mais il fait un peu froid. Franchement, quand on est bien couvert, ça va. Mais voilà. Donc, désolé aux amateurs de Cars Road Trip, mais elle ne sera pas dans cette vidéo. Voilà. On continue sur un Toy Story Playland et on va faire zigzag parce qu'on peut faire les parachutes, mais honnêtement, je trouve ça abusé de faire les parachutes à un petit de moins de 2 ans. C'est vraiment limite. Mais en tout cas, moi je le ferai pas. Et donc on va faire zigzag. Voilà. Je suis joie. Mais oui, j'aime bien moi zigzag. Bon, Victoria commence à être un peu fatiguée, donc Amé est obligée de la porter là. Victoria a la tête posée sur elle. J'ai voulu la porter, mais elle voulait pas, elle voulait maman. Du coup, Amé, je dis ça va, elle est pas trop lourde. Elle me dit non, j'assume, tu parles. Elle se régale ces moments là de câlin avec Victoria. Ça dure 3 secondes en général, quand elle veut bien en faire. Donc là, elle est contente, maman. Hein. On n'endort pas, on va faire zigzag, hein. On fait zigzag pour toi là. Je pense qu'après ça, on va la poser dans la poussette, on va aller faire un tour. Peut-être faire la tote ou quoi en baby switch comme hier on a fait Phantom Manor. Et elle va dormir une heure. Mais comme hier elle a dormi une heure et demie avant d'aller manger. Donc ça fera pareil. Ah bah tiens-toi hein. C'est vraiment très drôle à faire quand même un zigzag. Mais c'est très court. Qu'est-ce qu'il y a? Elle croyait que j'y parlais. Non, c'est au vlog. Mais c'est très court quand même. Hein. Bon. Bah après on a fait 5 minutes de queue même. Ça a été très 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 rapide donc. C'est l'avantage, c'est l'avantage. Bah écoutez, on va se balader là, on va aller faire les boutiques, je vous reprends si je vois des nouveautés, quelque chose sur le merch. Sinon, bah on se retrouve pour le restaurant au bistrot chez Rémi. On est à la boutique de la Tote et on tombe sur une collection de vilains que je n'avais pas vu encore. Alors est-ce que c'est une collection de... d'Halloween qui est sorti plus tard ou quoi, mais voilà, là il y a une collection là, de vilains, je vais vous la montrer, ce qui est très... Alors, regardez, vous avez ici un manteau, alors c'est des exclusivités Disneyland Paris, hein. Donc c'est la collection Disneyland Paris,
Et ici vous avez la pomme empoisonnée avec des ronces. Elle est marquée Vilain et très joli ce manteau. Il y a 120€ quand même. On a un livre de recettes. Des recettes désenchantées. Les œufs de dragon en diablé, les toasts de Madame Trémène, salade d'accompagnement, il y a quoi? Salade de pâte à la règle d'or. Il y a un peu de tout, hein. Tourte du chasseur. C'est pas mal du tout ça. Gâteau de non-anniversaire, j'adore. Corne en diablé à la crème. Et c'est super. Il y a des cocktails aussi. Je passe trop vite. Rosé rouge de cœur. Déguisement de la mégère. Et c'est super sympa ce livre, dit. Il est à 25€. Je sais pas si je vais pas craquer. J'aime beaucoup. Vous avez ce t-shirt qui est au prix de 30€. Voilà, avec les vilaines. Cette robe tunique là qui est sympa. Et ce foulard qui est super aussi, je l'ai sorti tout à l'heure. Vous avez tout le même visuel là, vous voyez, avec Facilier, Ursula, Maléfique. La pomme, il est vraiment très très sympa. Il est porté là autour du cou du mannequin. J'aime beaucoup cette collection. Vraiment très sympa. Et il y a même ça, je viens de le voir, c'était derrière. Il y a une pochette. Tu n'avais pas vu la pochette? Elle est à 20€. Donc voilà pour les articles de Vilaine là que je viens de voir. On va faire d'autres boutiques. On va voir si je trouve autre chose. Bon, je suis au Studio Store, à la boutique qu'il y a à l'entrée des parcs Walt Disney Studios. Et là, il est la nouvelle collection que Ninou il adore, qui vient tout droit de Walt Disney World, qu'on avait vu là-bas nous. C'est la collection de vaisselle. Et regardez-moi ça, vous trouvez des articles qui sont disponibles sur Shop Disney, notamment ce set de 3 bols là que j'ai déjà acheté moi sur Shop Disney. Et il y a d'autres choses aussi, là il n'y a pas tout non plus. Mais regardez ces assiettes, elles sont magnifiques. Les mugs, j'adore ceux-là et ceux-là. Les verres à pied là, ils sont très très beaux. Voilà, il y a un lot de 4 assiettes à dessert qui sont identiques. Moi j'ai acheté 4 assiettes à dessert sur le Shop Disney, mais c'était 4 différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est tout. Ah, et il y a ce magnifique plat à gratin qui est trop trop beau. Ah, plus ça va, plus je suis fou de vaisselle comme ça au Disney. Je trouve ça vraiment très très beau et c'est discret, hein, vous voyez les... Les bols là, c'est quand même assez discret. Il n'y a pas un gros Mickey dessus. C'est même les verres. Hein. Franchement, si vous regardez comme ça vite fait, c'est quand on regarde de plus près qu'on voit les petits Mickey dessinés. Non, vraiment très 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 belle collection. Très très belle collection. Bon allez, je vous reprends. On est au bistrot chez Rémi. Je vous ai pas filmé l'intérieur, tout ça. Hop, je vous mets ici. J'avais fait une vidéo exclusive que sur ça. Et c'était très bon, et là on est avec, avec Victoria et on va voir ben, ce qu'on va pouvoir lui donner à manger, je sais pas trop. En tout cas nous on va bien manger, ça c'est sûr. Bon alors, j'ai le menu. Et bon, les menus pour adultes c'est les mêmes, vous les trouvez sur internet ou même sur l'application Disneyland Paris. Par contre c'est vrai que le menu pour enfants je ne l'avais pas vu. Alors il y a le menu petit chef qui est à 20€, c'est à partir de 3 ans, c'est de 3 à 11 ans. Bon, nous elle a même pas 2 ans, mais on va y prendre ça parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est pas donné quand même hein, pour 3 ans. Pour quelqu'un qui a 8-10 ans ça passe. Mais... Vous avez entrée, plat et dessert. Et boisson. Et vous avez alors soit une soupe de courgettes à la vache qui rit, ou des rillettes de poulet et ses toasts en entrée. En plat, c'est sauté de poulet à la crème, ratatouille et frites, ou linguine à la sauce tomate et ratatouille. Et en dessert, c'est un éclair de Rémi au chocolat ou fromage blanc aux fruits. Donc voilà. Elle mangera pas tout, c'est évident, mais
Au moins elle mangera et c'est plutôt équilibré, c'est pas mal. Voilà. Bon allez, j'ai reçu mon entrée et Amélia pareil. On a pris la salade. Voilà, c'est une salade avec du cantal, il y a des radis, il y a des tomates séchées et un œuf mollet. Voilà, c'est le menu Rémi qui est à 34 euros entrée plat. Et Victoria, elle mange sa soupe. C'est Amélie lui mange la moitié de la soupe. Elle est bonne. Soupe, fourchette, Donc voilà. Et j'ai pris avec le pass annuel. N'oubliez pas, vous avez un cocktail de bienvenue dans tous les restaurants qui est offert. Et c'est du jus d'orange avec de la grenadine. C'est du jus de fruits. C'est gratuit. Prenez-le, prenez-le. Allez, voici le plat. La pièce de bœuf, frites, ratatouille. Moi j'ai pris sauce au brie. Amélie a pris béarnaise, mais vous avez aussi moutarde, sauce du chef. C'est sauce échalote. Foie de volaille. Foie de volaille. Et je crois qu'il y avait sauce roquefort, mais là je ne l'ai pas vu. Mais voilà, on va manger et on se retrouve après. Bon, on sort du. Coucou. Bonjour. On sort du bistrot chez Rémi. Et là au passage. Woody! Il y a Woody! Regarde! Et il y a personne, on passe de suite donc. Mais du coup, on s'arrête! Oui! Si, bonjour Woody! Bonjour Woody! Bonjour! Bonjour, on a une trop ici! Bon, Woody est un peu impressionnant aussi. Il est grand, hein. Et en fait, le bistrot chez Rémi, on s'est régalé. Hein. On a très très bien mangé, on n'est jamais déçu. Bon, là par contre, on mange toujours pareil. Enfin, la dernière fois qu'on est allé, c'était en octobre et c'était le même menu. Donc du coup, on a mangé pareil. Donc bon, c'est dommage. Mais après, c'est quand même très très bon quand on s'est régalé. Et pour la petite aussi, c'était bon. Donc voilà, et là on va faire une attraction emblématique des Walt Disney Studios, les tapis volants d'Aladin. Ah, je pense à toi Olivier, je pense à toi, quelle attraction extraordinaire, n'est-ce pas? Je sais que tu m'envies, je sais que tu m'envies aujourd'hui, entre ça et Cars Road Trip, tu m'envies. Congratulations, you were fabulous. Je suis sur le tapis volant, mais je crois que je vais me faire allumer qu'il faut pas qu'on filme comme d'hab. Voilà, ils sont là. Ils sont devant, moi je suis derrière. Voilà. Maman. Hey, photo. Je vais essayer de filmer un peu, mais je suis pas sûr que j'ai le droit. Yes, c'est parti. Wouhou. Ça part. Elle n'a pas été tienne, regarde. C'est comme Dumbo, c'est pareil, hein. Maman, elle peut faire bouger en avant, en arrière. Ah bon? Eh oui. Ah merde, je savais pas. Ben je le fais. Alors. Waouh. Wow, je crois qu'elle est pas rassurée. Je crois qu'elle est pas rassurée. En descente. Yeah. Allez, on remonte. Je peux faire un avant arrière, non? Ça marche pas, j'ai appris. Tu vlogs d'accord? Oui. Bon, mais écoutez, on sort des tapis volants. On en a fait deux tours, c'était génial. Pardon? Trois tours. On a fait trois tours. En fait, il y avait vraiment personne. Donc, on a refait un tour parce que. Bon, mais. C'est pour Victoria. Hein. Mais après, il y avait, quand on a fini le deuxième tour, il y avait deux personnes dans la file d'attente. Du coup, on a demandé à la casse si on pouvait rester. Elle a dit ben oui, bien sûr. On a changé quand même de tapis. On a changé de tapis parce que celui qu'on avait, il avançait, il faisait pas ça, il basculait pas. Donc on avait un peu moins de sensations. Ben voilà, écoutez, on va passer sur l'autre parc. Donc je vais clôturer ce vlog ici. C'était pas mal, on a fait pas mal d'attractions à part. Cars 4 roues, ouais, rally, celle-là on l'a pas faite. On a vu 4 personnages quand même, on a vu du monde. C'était sympa, on a bien mangé, un bon vlog, une bonne journée qui n'est pas finie. Là on va enchaîner avec la parade et tout ça. Mais on se retrouve, coucou. Bonjour. T'es vu, hein.
Mais on se retrouve donc samedi prochain pour le dernier vlog de ce séjour et vous verrez la parade. S'il pleut pas, j'espère qu'il fait pas pire que ça. Non, demain. Pas pire, mais il fera. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9h. À 9h. Et je vous dis donc à samedi prochain. Bye bye, c'était Amé et Ninou et Victoria. Et on vous fait des bisous. Bye.